Salut à tous et Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, surtout pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, surtout pour le troisième épisode de ma série d'achat-revente sur FUT 16, Road to Zlatan Ibrahimovic, les gars. Donc aujourd'hui, on est parti avec une nouvelle technique d'achat-revente sur cette série. Donc voilà, donc deuxième technique sur troisième vidéo et deuxième technique. Donc la technique, je pense que la plupart des gens la connaissent, c'est une technique très connue et très réputée. Elle marche à merveille, elle marche encore mieux sur Xbox, si tu as un prêt à le lien, mais elle marche à merveille aussi sur PS4. Donc cette technique, c'est tout simplement la technique FUT millionnaire. Elle est connue depuis au moins FIFA 13, c'est un site qui l'avait tout simplement créé. Donc cette technique, elle consiste tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, à acheter des joueurs inférieur, des joueurs, hein, moi je préconise hein, des joueurs inférieurs à 5000 crédits. Je trouve que ça marche mieux parce qu'au-dessus de 5000 crédits, je vous conseille de faire la tech avion qui marche encore mieux que cette technique là, mais il faut avoir beaucoup plus de crédits. Donc pour moi, il faut commencer à peu près avec une base de 30 000 crédits, c'est mieux. Bon, moi j'ai commencé avec une base de 20 000, c'est pour ça que j'ai un peu galéré, mais voilà, le commencer avec une base de 30 000 crédits, c'est le top. Donc cette technique, hein, c'est tout simplement à acheter des joueurs de cartes or, des joueurs de grands championnats qui sont très utilisés ou assez utilisés sur le live. Par exemple, moi je vais faire beaucoup, je vais commencer avec de la Ligue 1, de la BPL. Donc en Ligue 1, Wifi est très utilisé, la VZ est très utilisée, on peut Bouffal est très utilisé. Donc il y a qui après en BPL, plein de joueurs sont très utilisés, Niom marche très bien. Après il y a du comment s'appelle, Coleman qui marche très bien, Baba, etc. Plein de joueurs qui sont très très connus. Donc en tout cas, je vais peut-être vous balancer une liste très rapidement. N'hésitez pas pour ça à me le dire dans les commentaires si vous voulez une liste d'achat-revente pour ces joueurs avec cette technique. Une liste de plusieurs joueurs. Donc je vous conseille d'ailleurs, je vais vous faire des listes et de surtout des joueurs du BPL. Mais n'hésitez pas à me le dire si vous voulez une liste dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker. Pour voir, plus j'aurai de likes, plus j'aurai envie et plus j'aurai de chance de vous balancer cette liste. Donc en tout cas, cette technique a marché à merveille. Et le but, pour finir, parce que je vous ai dit d'acheter ces joueurs là, faut les acheter au prix minimum, avec le prix le moins cher en immédiat, bien sûr. Faut pas perdre de temps, galérer. Vous pouvez faire ça en, comment ça s'appelle, en enchère, mais je vous prie, le mieux c'est l'immédiat, ça va beaucoup plus vite. Achetez ça. Mettez les joueurs au prix minimum en immédiat, les moins chers en immédiat. Et donc il faut acheter. Si vous trouvez pas, si vous ne trouvez pas de style dans les moins chers, mettez 100 ou 200 crédits plus pour avoir un style. S'il n'y a toujours pas de style, prenez le joueur le moins cher avec le plus de contrats. Donc voilà, c'est soit le style. Dès que vous avez un style, achetez-le. Et dès que vous avez, si vous avez après pas de style, achetez des contrats, les gars. Donc voilà, voilà. Donc après, je vais vous parler aussi sur cette vidéo. J'ai eu, comme vous l'avez vu, j'ai eu des cartes un peu spéciales qui ont été vendues tout simplement parce que j'ai fait la. Et c'est pour ça que j'ai eu des packs gratuits, parce que en fait, pour débloquer mon compte sur l'appli web, il fallait que je joue des matchs. Et donc, vu que je n'ai pas acheté j'ai pas acheté le PS Plus sur ce compte-là parce que ça me sert strictement à rien, j'ai décidé de faire la draft, le jeton draft qu'on a quand on a un compte. J'ai décidé de jouer ça hors ligne en légende que j'ai gagné d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, avec 4 victoires. Ça m'a permis d'avoir des packs et c'est donc ça m'a permis de me débloquer sur l'appli web et sur mon téléphone. Comme ça, je vais pouvoir plus relister, donc plus de vidéos. Et donc, du coup, avec les crédits que j'ai eu, vu que j'étais un peu bloqué, je me suis permis, les gars, de relister, de remettre ces crédits dans le jeu, tout simplement, de remettre ces crédits dans en vente, de permettre de me récupérer un maximum de crédits pour permettre, bah voilà, de racheter des joueurs et que ça avance plus vite, parce que voilà, j'étais un peu en galère. Et je pense que vous comprenez, si vous avez un compte, vous faites bien 2-3 matchs dessus pendant la revente, et bah moi c'est pareil, parce que moi j'ai eu des packs en cadeau. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Donc vous l'avez vu qu'on a fini, par avoir 24 joueurs en finale. Et donc j'en ai revendu 18 au bout de 10 relents, j'en ai revendu 18. Donc je vous ai laissé avec ce moment, ces images là, avec tous ces joueurs vendus et charlistés les dernières. On finit la vidéo avec 35 000 crédits. Ne vous inquiétez pas, pour le prochain épisode, je vous balance du très lourd. C'était A14, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, Facebook, Twitter ou Instagram. N'hésitez pas aussi à voir dans la description. Je vais vous balancer un lien sur un tweet que j'ai posté. Je fais gagner un code de 20 € chez Gamoniac. Le lien, il suffira de RT et de me follow. Je vais faire un tirage au sort
le 1er janvier. J'espère que ça vous a plu. C'était à 14 pour ça vous les amis. Bah tout le monde.